Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission, la matinale, où on regarde un petit peu quelques news choisies du monde du cinéma, et on regarde aussi les films qui sortent aujourd'hui, puisque c'est jour de sortie le mercredi. On va donc regarder ça ensemble. Hop. Et on commence tout de suite avec une première news sur King. Vous en avez un peu parlé à la dernière émission, les cafés du cinéma. Et on a un petit peu plus de précision sur le studio qui a réalisé les doublages numériques du lion, puisque effectivement, ils ont tourné beaucoup de scènes sans le lion. Et donc, comment ils ont fait? Bah, quelques petites réponses maintenant. Sauriez-vous deviner quel est le faux lionceau dans cette image? Plutôt difficile, non? Allez, on vous aide. C'est celui-là. Le film King raconte l'histoire d'un petit lionceau destiné à un trafic qui s'échappe de l'aéroport pour se réfugier chez deux enfants. Qu'est-ce que tu penses de King? Pour raconter cette histoire, les équipes ont utilisé à la fois un vrai lionceau présent sur le tournage, mais aussi un faux qu'ils ont totalement recréé numériquement. Pour cela, ils ont fait appel à la société Mathématique à Paris. Mathématique reste quand même un studio créatif. On essaie d'éviter de faire que de l'exé, de voir ce qu'on peut apporter en termes de conseils techniques et artistiques. Les équipes ont donc travaillé pendant plus de 3 ans, en étroite collaboration avec le réalisateur David Moreau, pour arriver à ce résultat. C'est vrai. Le bien-être animal et la sécurité étant une priorité pour l'équipe du film, il était en effet hors de question de tourner certaines séquences avec un vrai lionceau. L'équipe a donc utilisé un chien, qu'ils ont ensuite effacé en post-prod pour mettre à la place le bébé lion. On a utilisé un petit chien, en fait, qui avait à peu près les proportions du lionceau. On l'efface et on recrée par-dessus. Ça reste pas le même comportement exactement, mais ça nous sert pour l'éclairage, parce que voilà, on a quand même besoin d'une référence. C'est à la fois d'une référence pour avoir la lumière du plan, pour voir comment la lumière se diffuse en fait sur le volume, sur le poil. C'est une question de dynamique aussi, savoir comment le chien bouge, même si la morphologie n'est pas tout à fait la même, mais ça permet en termes de contact de pattes, de comment il bouge, de la tension. Ça donne aussi une direction de regard aux acteurs pour savoir où regarder. Pour le film, l'accent a été mis sur le réalisme du lion. Il ne fallait en aucun cas en faire une créature, mais bien un animal authentique avec des mouvements existants. C'est vrai qu'il n'y a pas, beaucoup de films où on anime un animal réaliste. Il y a beaucoup de films d'animation. Donc les animateurs ont tendance à être plus souvent habitués à animer de façon un peu cartoon, un peu de dessin animé, donc avec des mouvements qui n'existent pas dans la réalité, des exagérations. En 2019, les studios Disney avaient eux aussi recréé des lions numériques. L'enjeu de ce film était de donner des expressions humaines à des animaux photoréalistes. Même si le film a extrêmement bien marché en salle, il a néanmoins récolté beaucoup de mauvaises critiques dues au décalage qu'il provoque entre un animal photoréaliste non émotif, doublé par la voix d'un acteur plein d'émotions. C'est toi? C'est vraiment toi? Ouais! C'est bien moi! Après, le Roi Lion, c'est techniquement hyper bluffant. Faut se rendre compte du travail et de la qualité. Après, on peut toujours dire derrière, ben, ça fait faux tout ça, mais en fait, on le sait, on regarde un compte, donc d'office, on sait que c'est faux. Mais par contre, le niveau technique artistique est quand même vraiment ouais, très très élevé, quoi. Ça élève quand même notre métier plutôt vers le haut de pouvoir faire ça. Après, ça reste du compte, c'est. Est-ce qu'on a tous envie de faire des animaux qui parlent? Je sais pas. Recréer numériquement un lionceau pour un film permet d'éviter les tournages qui peuvent être éprouvants pour un animal. Mais aussi de rendre possible des scènes qui auraient été difficiles à tourner. Et vu l'incroyable résultat final, on peut parier que cette technique a de l'avenir devant elle. Voilà donc pour King et comment ils ont travaillé un petit peu sur le lionceau. Alors, au-delà de. C'est vrai qu'il faut penser à la condition animale, mais au-delà de la condition animale, ça permet quand même de. Ça ouvre des champs de possibilités extraordinaires, cette manière de faire. Et en termes de sécurité aussi, parce que finalement, c'est vrai que si on peut faire un lionceau, on peut faire un vrai lion. Et un vrai lion, tourner avec, c'est peut-être pas si évident que ça en termes de sécurité. Puisque bah, un lion, ça reste quand même un animal sauvage qui peut, si ça lui prend l'envie, foutre un coup de patte. Et un coup de patte d'un lion, c'est peut-être pas très bénéfique pour l'humain qui tourne en face.
Donc voilà, ça ouvre quand même un sacré paquet de possibilités. Et le résultat, moi j'ai été voir, alors j'ai pas vu tout le film parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai été voir quelques scènes en salle, et le résultat est quand même sacrément bluffant. Donc voilà, ça, pour l'avenir et les possibilités, ça promet d'être intéressant. Alors, c'est bientôt les Césars 2022. D'ailleurs, hop, ça, je vais le mettre là, on en parlera après. La petite histoire derrière la création de la fameuse récompense, parce que c'est vrai qu'on connaît la statuette, on sait, voilà, l'importance des Césars. Et connaissez-vous la petite histoire derrière la création de la fameuse récompense? Le nom de mon ami César, sculpteur de génie, s'est imposé à moi et à sa sculpture. Avec lui, Oscar, César, cinq lettres qui rimaient à tel point que la naissance du second était devenue évidente pour le plus grand bien de la promotion du cinéma en Europe, en tout cas, confiait Georges Craven, fondateur de l'Académie des arts et techniques du cinéma. Spécialiste de la technique dite de la compression dirigée, le sculpteur César conçoit et donne donc son nom à la statuette dorée. Le sculpteur crée